Tori et Uke entrent sur le tapis, se déplacent l'un en face de l'autre à six tatamis, saluent Shomen, talons serrés. Se font face pieds écartés, largeur des épaules un point d'écart, tombent sur les genoux gauche puis droit, tombent en avant sur les bras tendus pour se saluer, se relèvent et ouvrent une fois debout. Uke saisit la ceinture de Tori devant la jambe gauche qu'il place presque contre le tibia droit de Tori. Il attire celui-ci, lançant sa jambe gauche en demi-cercle en arrière pour se placer en mouvement de hanche. Tori place son bras gauche derrière le dos de Uke le long de la ceinture. Sa main droite vient appuyer en haut sur le devant gauche de la poitrine de Uke. Partant du pied gauche, 4 tsukihashi, environ 4 pas, il fait reculer Uke et le met progressivement en déséquilibre. À la suite de ces déplacements, Uke, deux pieds sur le même plan, est en déséquilibre. Tori accentue un peu ce déséquilibre et, poussant de la main droite, renverse Uke en arrière en posant lui-même son genou droit au sol, un peu en arrière son talon gauche. Uke chute en reculant largement sa jambe gauche. Tori, après un court temps d'arrêt, ouvre sa jambe gauche. Uke refait le même déplacement et les mêmes gestes, Tori également. Mais à l'instant de la mise en déséquilibre, Uke recule le pied gauche, prend appui dessus et se redresse. La suite est le sutemi. Tori fait reculer Uke plus loin que le point central, de façon que la fin de la chute soit dans le périmètre du kata. Thank you.
Regardons maintenant cette prise sous un autre angle. Huquet se redresse et fait le tour en passant derrière Tori, puis vient se placer devant lui et d'un geste ample, ses deux mains, la droite passant par-dessus la gauche, tente de saisir la ceinture de Tori. Tori, de la main gauche, saisit et pousse le poignet droit de Huquet. Sa main droite passe au-dessus de la gauche et vient pousser derrière le coude, cependant qu'il recule sa jambe droite. Observez maintenant le mouvement de la main. Observons cette prise sous un autre angle. Huquet, attrapé par Tori, avance la jambe droite en direction de la jambe droite de Tori pour accentuer le déséquilibre. Sa main droite, passant sous le bras droit de Huquet, le soulève. Tori se déplace en tsugihashi vers sa droite et le met en déséquilibre sur la pointe des pieds. Lorsque Huquet retombe sur ses talons, Tori passe sa main droite devant l'épaule droite de Huquet et, abaissant son genou gauche au sol, tire Huquet vers le bas. Huquet chute, frappant de la main droite. Tori reste un instant dans cette position, sans ouvrir. Tori tire le poignet droit de Huquet vers le bas. Huquet avance pied droit, puis, en réaction, se redresse, reculant le pied droit. Tori, en avançant le pied droit d'un grand pas sur le côté droit de Huquet, replie le bras droit de Huquet, qu'il pousse devant la tête de celui-ci, dos de la main contre le front. Son bras gauche lui encercle la taille et en tsugihashi déséquilibre Huquet. La suite est le sutemi. Huquet, dès le début de son recul, a placé sa main gauche derrière le bras droit de Tori. Il place alors au début du sutemi sa main droite sur l'épaule gauche. Notez les mouvements des pieds de Tori placés à droite de l'écran.
Il n'y a que ça pour appeler la version anglaise. Les gens, ils vont voir ça, ils vont voir ça. En avançant, Huquet dissimule sa main droite derrière son dos et tend le bras gauche, paume de la main vers le sol. Arrivé vers Tori, ses doigts se replient comme pour crocheter devant le cou de Tori. Tori saisit de sa main droite les doigts repliés de Huquet. Sa main gauche tire sous le bras gauche de Huquet, lequel, pied gauche en avant, se trouve déséquilibré. Tori, alors, passe sa main gauche sur le bras de Huquet et laissant tomber son genou droit au sol en Uki Otoshi et restant bien en face de lui, le tire vers le sol. Et maintenant, nous allons étudier Iki Otoshi. Les deux partenaires ayant changé de place sont à nouveau au debout de l'axe. Ils avancent l'un vers l'autre et, arrivés presque à la hauteur de Tori, Huquet fait un pas plus rapide et tente, avec sa main droite, de prendre le sabre au côté gauche de Tori. Celui-ci saisit aussitôt le bras droit de Huquet, main gauche en bas à l'extérieur, main droite en haut à l'intérieur, et restant face à Huquet, se laisse tomber sur son genou gauche en Uki Otoshi, en tirant le bras vers le sol.